Le campus adventiste du Salève est un établissement privé d'enseignement supérieur et géré par l'église adventiste du septième jour. Il se situe au bas du Salève, sur un flanc qui surplombe la ville de Genève avec son fameux lac Léman. Et c'est ici que nous allons rencontrer certains de nos jeunes Tahitiens qui ont tout quitté à Tahiti pour se lancer dans cette aventure, l'étude en théologie, donc l'étude à la faculté adventiste de Collonges sous Salève. Pour certains, ils sont déjà depuis plusieurs années et pour d'autres, ils y sont encore pour finir leur licence ou leur master en théologie avant de repartir, de prendre les airs pour retourner en Polynésie française et servir dans l'œuvre. Je vous propose de suivre le portrait de ces jeunes et nous nous retrouverons tout de suite après pour un débat avec eux. Yorana tout le monde, alors moi c'est Rauma Doum, ça fait 4 ans que je suis ici, je suis arrivé sur le campus du Salève en 2011. Alors moi cette année j'ai terminé mon mémoire de licence, alors que j'ai commencé ma première année de Master 1, et puis donc j'ai été gradué cette année, donc entre guillemets il me reste encore un an pour terminer mon Master 2 avant de rentrer en Polynésie pour œuvrer dans le ministère pastoral. Voilà, merci. Yorana Tahiti, je m'appelle Memori, Memori pour eux. Donc je suis arrivé en métropole en 2013, le 6 août 2013. Et donc je suis là pour mes années d'études en théologie. Je viens de terminer ma deuxième année et donc je vais entamer ma troisième année pour également préparer le mémoire. Donc je suis aussi venu en compagnie de mon foyer, mon épouse, mes enfants, Piu, Aliere, Inatea, donc également qui sont ici sur Collonges pour me soutenir dans les études. Si vous entendez parler de Blondel, ben c'est moi. Et donc ça fait 3 ans que je suis ici avec ma petite famille sur Collonges sous Salève. Donc comme certains de mes collègues, j'entreprends des études de théologie. Je suis actuellement en troisième année et je viens de finir une première partie de cette année de licence et l'année prochaine je dois attaquer le mémoire de licence avec l'hébreu à valider. Voilà, donc actuellement je suis avec mon épouse, ma fille et mon fils qui vient de naître le 21 mars 2015. Et donc on salue tout le monde qui sont à Tahiti, on fait plein de bisous et surtout que Dieu vous garde, chacun d'entre vous, et nous pensons à vous dans la prière. Mes études à Collonges, je les ai commencées en 2010. J'ai terminé en juillet de l'année dernière, mais cela faisait quand même 5 ans que je suis ici. Je suis arrivé pour le master en théologie. Je l'ai complété en 4 ans. Au bout de 4 ans, j'ai pu terminer le mémoire. Et puis, depuis cette année dernière, en 2014, j'ai commencé le pastorat dans le sud de la France. Bienvenue à tous dans cette édition spéciale consacrée à nos étudiants polynésiens à la faculté adventiste de théologie de Collonges sous Salève. Ils sont 4 à débattre avec nous ce soir sur la vocation de pasteur, le rôle d'un pasteur aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un pasteur? Ils sont venus il y a quelques années pour certains. D'autres sont arrivés plus récemment à Collonges en France. Un choix de destination pour étudier, pour avoir un bagage afin de pouvoir rentrer dans notre Fénois et pour pouvoir nourrir bien sûr spirituellement nos membres d'église qui nous attendent dans nos îles éparpillées un peu sur notre océan Pacifique. Nous allons donc accueillir maintenant nos 4 invités. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, de pouvoir en parler. Beaucoup de jeunes se donnent cette vision d'être pasteur aujourd'hui. Beaucoup ont essayé de s'expatrier pour étudier, puisque malheureusement en Polynésie, nous n'avons aucune institution qui forme des pasteurs. Nous sommes obligés de quitter le Fénois pour se rendre soit à Fidji, soit en Australie, à Avondale, à Fulton, ou bien même jusqu'en métropole. C'est le choix que vous avez fait depuis quelques années durant ce débat. Vous allez nous expliquer pourquoi. Alors, j'aimerais m'adresser au pasteur Clive. Pasteur Clive, bonjour et très content, très heureux, très honoré de t'avoir rencontré ce week-end à Collonges. Alors, tu nous as quittés en Polynésie puisque il y a quelques temps, tu as reçu l'appel de venir et aujourd'hui, tu officies en tant que pasteur en France, à Montpellier. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions revenir à l'origine de cet appel que tu as reçu. Est-ce un appel? Est-ce une vocation? Comment est-ce que tu as décidé de devenir pasteur?
Bien, tout d'abord, la joie elle est partagée de pouvoir te rencontrer ici à Collonges. Je dirais que l'appel a déjà commencé lorsque, bien avant même que je serve en tant que pasteur en Polynésie française. Mmh. Et puis l'élan est parti et je vis cet appel depuis les années 90 lorsque j'ai décidé de devenir pasteur. Mais c'est vrai que tout au long de ce cheminement dans cet appel, il y a des opportunités qui se créent, il y a des occasions qui se présentent à nous. Et puis, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est la beauté de notre Église adventiste, parce que en tant que pasteur consacré, on est consacré à une Église mondiale, ce qui signifie qu'on a la possibilité d'œuvrer en tant que pasteur dans le monde entier. Alors, tu as été connu, pasteur Clive, surtout au niveau de la jeunesse en Polynésie, puisque tu as beaucoup œuvré auprès de notre jeunesse en Polynésie. Tu as incarné cette jeunesse en tant que pasteur jeune, puisque je rappelle également que tu as été très jeune consacré en tant que pasteur, hein, c'est ça? C'est exact, oui. Et donc, voilà. Ensuite, tu as servi l'Église durant quelques années. Et donc, il y a eu encore ce désir de poursuivre ces études par la suite. Bien, ce désir, il a commencé vraiment lorsque je me suis rendu compte de la beauté de l'œuvre au sein de l'Église adventiste. Et ensuite, ça faisait partie de ma personnalité d'essayer de connaître un peu plus, de savoir. Et c'était vraiment une époque où nous avions reçu les différents professeurs de Collonges qui étaient venus à Tahiti pour la formation continue des pasteurs. Et c'est vraiment là que l'étincelle pour venir ici à Collonges, elle a commencé. Est-ce un appel? C'est la suite de l'appel. Hein. L'appel a déjà été lancé, mais j'étais arrivé à une intersection où il y avait une opportunité, pourquoi pas l'occasion. Voilà, c'était devenu un rêve et pour lequel mon épouse et moi, nous avons commencé à prier parce qu'on voulait vraiment s'assurer que ce n'était pas seulement des émotions, on voulait s'assurer que c'était vraiment, voilà, il y avait le soutien de Dieu derrière, parce qu'il fallait réfléchir à la fois pour la famille, le côté financier. Et pour moi, un engagement, c'est jusqu'à la fin. Donc, on a pris cela sérieusement. Et puis, on a prié pour cela. Les portes se sont ouvertes. Et on s'est dit que, voilà, ben, c'est pour nous, le Seigneur nous ouvre cette voie-là. Et c'est le Seigneur qui contrôle toutes choses. Le Seigneur contrôle toutes choses, bien qu'il respecte nos choix. Il nous montre des options. On a saisi l'occasion, on a fait nos choix. C'est un choix qui n'a pas été facile. Toutefois, quand on s'engage pour le Seigneur, quelque part, on est prêt à accepter même de s'écarter de son propre cocon familial, de son propre pays, pour pouvoir servir le Seigneur ailleurs. Et c'est le choix que nous avons fait. Est-ce qu'on peut parler, pasteur, de sacrifice lorsqu'on prend un tel choix de suivre le Seigneur de... Jésus l'a dit. Et on comprend dans ces paroles de Jésus que le suivre, c'est véritablement un sacrifice pour... Quand on a fait le choix de venir en France, ça a été un sacrifice parce que les moyens dont nous disposions à l'époque, ils étaient très minces et on savait qu'il fallait ici venir redoubler d'efforts pour pouvoir réaliser ce rêve. Et c'est ce qui s'est passé pour nous. Il a fallu à la fois se concentrer sur les études, mais également sur les besoins de la famille. Donc, il a fallu travailler ici sur le campus. Il fallait gérer de son temps à la fois au niveau des études, subvenir aux besoins du foyer et puis s'occuper des enfants. Voilà, c'était un travail d'équipe avec mon épouse. Est-ce que tu n'avais pas l'impression, pasteur, que c'était l'histoire qui se répète, puisque avant tu as quand même exercé durant quelques années en tant que pasteur, et bien avant cela, tu as également été formé. Je me rappelle que tu as fait full-time, voilà. Donc, revivre la même chose, est-ce que c'est pas difficile de... C'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup prié, parce que ça a été encore le sacrifice, et on a revécu ce que nous avions vécu déjà pour full-time et pour la Papouasie. Mais on s'était dit que le sacrifice en valait la peine, à la fois pour l'œuvre, parce que ce n'était pas seulement pour être formé, pour aller plus loin, mais c'était surtout pour l'œuvre. J'allais certainement pas venir ici et puis m'arrêter. Non, j'allais venir ici pour poursuivre mon ministère. Et ce rêve s'est réalisé. Merci. En tout cas, nous reviendrons sur quelques détails tout à l'heure. Donc, il y a parmi vous également, je pense que Blondel est le plus jeune parmi les quatre. En tout cas, vous avez, avec Mémoré et Blondel, un point en commun, c'est que vous aviez été ancien d'église durant quelques années avant de se lancer dans le pastorat. Donc, Blondel est venu en,
en France également. Je sais que Blondel a également fait Fulton, mais apparemment Fulton n'a pas été une réussite. Alors donc, le choix s'est orienté sur la France. Que tu nous expliquer pourquoi? Tout d'abord, Yorana Ambrose, hein, merci encore pour l'invitation et Yorana à tous ceux qui nous regardent. Oui, en effet, donc, j'ai reçu cet appel donc, en 2005 pour Fulton, mais j'ai eu quelques petits problèmes. Donc, je suis revenu à Tahiti et après, je me suis dit, bon, je ne suis pas fait pour le pastorat. Donc, j'ai essayé de changer de métier. Alors, tu parlais d'appel. Oui. Et tu te dis en même temps que je ne suis pas fait pour ça. Est-ce que tu peux nous parler de cet appel? En fait, c'est une sorte d'émotion qu'on reçoit en soi. Hein. Ensuite, on se questionne pour voir, comme l'a dit Pasteur Clive, on prie beaucoup hein, pour obtenir des réponses. Mmh. Et suite à ces réponses, donc on essaie de faire un choix et d'établir un projet et ensuite de quitter le Finnois pour réaliser ce projet. Mmh. Donc, je l'ai fait pour Fulton, ça n'a pas réussi. Et je pensais, ben, peut-être que j'ai reçu une mauvaise réponse. Et donc, je me suis dit, ben, c'est fini, je mais vais changer de voie. Mais c'était pas le moment. Mmh. Voilà. Et donc, j'ai reçu encore pour moi, hein, personnellement, j'ai reçu un deuxième appel lorsque j'ai eu un accident à Tahiti. Je me suis dit que je me suis dérouté donc, de la voie que Dieu a choisie pour moi. Mmh. Et à partir de cet accident-là, je me suis beaucoup posé de questions sur le sens de ma vie. Et donc, j'ai beaucoup prié aussi avec mon épouse cette fois-ci. Parce que lorsque j'étais parti à Fidji, j'étais célibataire. Et donc là, j'étais avec mon épouse et ma fille. Mmh. Donc là, ce n'était plus le même contexte, plus le même concept. Donc on a beaucoup prié aussi pour ça. On a pris notre décision et on est venu ici. Mmh. Qu'est-ce qui t'attire dans ce rôle de pasteur? Vous êtes formé à devenir de futur pasteur. Qu'est-ce qui t'a attiré à te former pour devenir pasteur? C'est que suite à mon accident, comme tu as dit, j'étais ancien d'église. Hein, il faudrait peut-être expliquer qu'un ancien, c'est comme un pasteur remplaçant. Hein, donc c'est quelqu'un qui agit beaucoup aussi dans la vie d'une église, dans la vie des membres, qui fait des visites pastorales, qui s'occupe donc du bon déroulement donc de l'église. Il assiste le pasteur. Voilà. Donc voilà, il assiste le pasteur. Hein. Et je me suis aperçu que je préférais mieux cette vie que dans ma vie professionnelle. Mmh. Donc je me suis dit, pourquoi pas alors vraiment concrétiser là où je me plais vraiment. Mmh. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de venir ici à Coulonges, de reprendre le projet que j'avais laissé à Fulton. Mmh. Voilà. Un jeune ancien d'église, un jeune père de famille également. On va rappeler également que voilà, tu t'es marié, tu as eu une fille. Oui. Voilà, et puis, malgré cela, ton épouse était enseignante à oui. Tahiti. Malgré cela, ça ne nous a pas empêché de démissionner et de venir en France poursuivre des bon, études. Ça nous a pas empêché. On s'est quand même posé des questions. Hein. On n'est pas venu comme ça, tête baissée non plus. Hein. Vous avez réfléchi. On a bien réfléchi. On a posé le genou, comme on dit en tahitien, hein, parhiraro, feruri. Hein. Et en tant que chrétien, pourri. Est-ce que vous avez eu des encouragements des membres d'église ou bien de la famille pour venir jusqu'ici? Oui, tout à fait, tout à fait. Mmh. Donc, beaucoup nous ont soutenus dans ce projet. Bon, j'ai un petit pincement au cœur quand tu parles de cette question-là, parce que notre premier, on va dire, supporter, ça a été ma grand-mère. Mmh, le soutien. Et, voilà. Mmh. Et le jour où, enfin, pendant la lancée, donc, elle nous a quittés. Mmh. Voilà, donc, voilà. Elle est décédée un mois avant notre départ. Mmh. Voilà. Donc, ben, beaucoup de notre famille aussi nous ont soutenus. Et même ici en France, le premier contact que nous avons eu, ben, c'était Pasteur Clive. Mm. C'était avec lui que j'avais eu des contacts à travers Facebook. Mm. Et ensuite, il nous a donné donc le pour et le contre, les points positifs et les points négatifs de la France, pour qu'on puisse avoir une bonne vision dans notre projet. Mmh. Donc, voilà. Donc, il y a une préparation à se faire. Hein. Tout à fait. Mais Maurice a également exercé en tant que stagiaire ou instructeur biblique, voilà, suite à c'est une initiative de la mission qui a appelé, il me semble, des volontaires à partir se former pendant 3 mois en Nouvelle-Zélande. Et puis, par la suite, tout s'est enchaîné, c'est ça? Oui, alors pour moi, ben, bonsoir à tous déjà.
Alors, s'il faut essayer d'expliquer un peu ce rôle-là, c'est vrai qu'en tant qu'instructeur biblique, c'est un choix également d'un membre d'église déjà de pouvoir s'engager déjà à connaître davantage la parole de Dieu, mais aussi de pouvoir, en plus de cela, donner également quelques principes, quelques directives même au niveau de l'église, notamment sur la connaissance d'un manuel d'église ou fonctionner comme un ancien d'église, voire même s'approcher même d'une vocation pastorale. Donc ça va dans ce sens un petit peu. Tu étais également ancien durant quelques années, durant plusieurs années même, un jeune ancien, je me rappelle. Tu as goûté, je vais dire, au rôle du pasteur, puisque durant ces deux années que tu as été, deux années, si je me trompe, oui, c'est ça, de 2011. Tu as officié en tant que pasteur, sans être pasteur, oui. On va dire. Donc on va dire que c'était depuis 2011, l'année 2011, janvier 2011 à l'année 2013. Donc en juillet 2013, j'ai terminé ce mandat en tant qu'instructeur biblique. C'est vrai que nous étions en premier lieu, nous avons été envoyés aux Australes, où on a exercé notre ministère, où j'ai eu la charge de deux îles, de Rurutu, Ribatara. Mais par la suite, également, l'administration m'a confié également deux autres îles. Donc, il y avait Reivavé et il y avait également Tupuei. Donc, ces quatre îles qui ont été également un ministère formidable. Donc, ça t'a plu? Je pense que... Tu as pu te débrouiller? Je pense que j'ai trouvé ma place dans ce ministère parce que finalement, c'est l'appel qui se concrétise finalement. Et comme un peu tout le monde, l'appel que j'ai reçu, je pense que et je crois qu'aujourd'hui, à force de bien synthétiser, d'analyser ce qui s'est passé dans ma vie, l'appel, je l'ai reçu ici en France. Je suis venu en 90-91 pour faire mon service militaire. Et je crois et fermement que c'était à partir de ce moment-là que Dieu a commencé à m'appeler. Et l'appel était simple. Retourne à Moréa. Retourne à Tahiti et tu seras affecté à Moréa pour une mission. Je pense que c'est là, et je crois que c'est à partir de ce moment-là que cette vocation et cet appel a commencé à flamber. À germer en toi, ouais. Et donc, tu as vécu ces deux années, on va dire, mémorer sans aucun bagage, puisque tu es aujourd'hui en train de te former pour avoir justement un bon bagage pour pouvoir exercer le rôle de pasteur pleinement, quoi. Alors, est-ce que ça a été difficile pour toi d'avoir goûté à ça, quoi, sans avoir suivi de formation? C'est vrai que dans ma formation personnelle, je ne suis pas vraiment quelqu'un de littéraire, mais comme Clive, d'un jour au lendemain, j'ai commencé à apprécier la lecture, à me former un peu dans la littérature, ce qui fait que, avec les prières de nos administrateurs, en particulier président Roger Tétouanoui, qui a été également un soutien pour moi dans ces moments, qui m'a également même poussé à revenir des Australes pour passer le DAE, qui est l'équivalent du bac. C'est ce qu'il demande justement afin de pouvoir entrer en année de faculté en théologie. Donc, après une réussite, je pense que là, les portes se sont ouvertes. Et donc, le choix d'avoir fait Collange, c'est aussi le fait d'avoir, la veille du départ de Gabriel Monet. Donc, je revenais sur Tahiti le 12 août. Le 6 août 2012. Et Gabriel Monet, donc, qui est également docteur en théologie, donc, passe ce dernier soir chez président Roger et à ce moment-là, il y avait comme un contact et un appel de nous dire, écoutez, Collange aussi est ouvert et pourquoi pas tenter l'expérience avec Dieu. Et depuis ce moment-là, nous avons opté de prendre, avec mon épouse, nos enfants, de prendre Collange comme choix de formation. Alors c'est un peu étonnant quand même, pour ma part, permettez-moi quand même de m'exprimer ainsi. Fulton, c'est à Fidji, c'est à deux pas de chez nous, où pratiquement les études, on va dire, c'est même pas comparable à ce que vous vivez ici à Collange. L'écolage est rien du tout à côté, mais pourtant votre choix, c'est quand même...
opté pour Collonges, quoi. Oui, Brandel. En fait, pour mon épouse et moi, c'était un peu... Enfin, c'est rigolo, quoi, parce que on voulait retourner à Collonges, à Fulton, pour reprendre là où on a laissé notre projet. On a déposé à peu près partout notre candidature, à Avondale, à Papouasie-Nouvelle-Guinée, ainsi qu'à Fulton. Et on s'est dit, bon, ben, c'est Fulton qui va répondre en premier. On s'est dit, bon, on va quand même essayer la France. C'est comme tu dis, question financière, c'est beaucoup. C'est pas donné. Ouais. Il faut dire que Collonges, ça coûte très cher. Ça coûte très, très cher. Il faut être honnête. Hein. Et jusqu'à aujourd'hui, ben, les seuls qui ont répondu à notre demande, ça a été Collonges. Donc on s'est dit, ben, c'est ici qu'il faut venir. Voilà. Merci beaucoup, Blondel, d'avoir partagé cette expérience personnelle. Je vais me tourner maintenant vers Rauma. Alors, Rauma, c'est aussi un jeune que j'ai connu à Tahiti, comme ça, mais pas vraiment. Hein. Et puis, du jour au lendemain, on entend que Rauma aussi fait partie de ceux qui partiront à Collonges. Et quelques années sont passées maintenant. Rauma vient d'obtenir sa licence en théologie. Alors Rauma, comment est-ce que ce choix s'est porté de t'orienter vers le pastorat? Oui. Ben, bonjour Ambroise d'abord et puis bonjour tout le monde. Alors pour ma part, tout a commencé lorsque j'étais à l'université. Lorsque j'ai commencé ma première année à l'université, j'étais en éco-gestion à l'université. Donc j'ai fait ma première année, j'ai fait ma deuxième année. Mais le problème, c'est que, étant étudiant à l'université, je n'aimais pas vraiment ce que je faisais. Voilà. J'ai eu mon bac assistant action communication commerciale. Ensuite, j'ai fait un BTS que je n'ai malheureusement pas eu, assistant direction. Ensuite, après mon BTS, mes parents m'ont envoyé en Nouvelle-Zélande. J'ai fait 6 mois en Nouvelle-Zélande. Et après ça, j'ai été à l'université. D'accord. Donc, ma première année, deuxième année. Mais je n'aimais pas ce que je faisais. Et puis, je pense qu'en tant qu'étudiant, et tous les étudiants qui sont là, savent que lorsqu'on n'aime pas ce qu'on fait, ce n'est pas facile. Et alors qu'il y avait beaucoup de devoirs, beaucoup de leçons à faire. Et je me rappelle ce soir-là où j'étais à la bibliothèque de l'université. J'étais assis devant tous mes devoirs et je me posais la question, mais je suis en train de travailler pour quelque chose que je n'aime pas du tout. J'espère avoir le diplôme, mais j'espère ne même pas travailler dans ce que je fais. Okay. Voilà. Et j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, mais je suis ici et je n'ai même pas de but dans ma vie. Qu'est-ce que je veux faire? Et ça a été, plusieurs fois ça a été comme ça, jusqu'à un soir... Toujours à la bibliothèque, face à mes devoirs, à ce moment-là, je me suis dit non, il faut que j'aie un but dans ma vie. Et ce soir-là, à la bibliothèque, j'ai demandé à Dieu. Oui. J'ai dit, Seigneur, dis-moi, tu connais mon parcours, tu me connais mieux que tout le monde, dis-moi ce que je dois faire. Le lendemain, je reviens à l'école, à l'université, nous étions dans le grand amphithéâtre. Et puis pendant que le prof était en train de parler, je le regardais et tout d'un coup, je me voyais à sa place. Je me voyais en train de parler à une assemblée. Alors je regardais et je me dis, mais c'est bizarre. Et pendant toute l'heure, la deuxième heure, c'était la même chose. Et là, je me suis posé, mais c'est, en effet, j'ai demandé à Dieu hier. Et peut-être là, c'est une réponse de Dieu. Alors je me suis posé la question, est-ce que je dois devenir professeur, instituteur, aucune idée. Et tout d'un coup, pasteur est venu dans ma tête. Mon grand-père est pasteur. Je sais quelles sont les responsabilités d'un pasteur. Et pour moi, c'était hors de question que je devienne pasteur. Mais en rentrant à la maison, j'ai raconté cela à ma mère. Et puis je lui ai dit, voici ce qui m'arrive. Et je pense que Dieu m'appelle pour le pastorat. Amen. Elle m'a dit, ah mais attention, c'est pas parce que t'as pas de but dans la vie qu'il faut aller faire pasteur. Je lui ai dit, non, c'est pas ça. Mais j'ai demandé à Dieu. Et on dirait, j'ai ce désir-là qu'il m'appelle pour œuvrer dans l'église. Alors là, on s'est mis à genoux. On a prié. On a mis le problème devant Dieu. On lui a expliqué, on lui a dit, si c'est ça, j'ai demandé à Dieu, si c'est ça, donne-moi une réponse aujourd'hui.
Je veux une réponse maintenant. Je veux avoir un but dans ma vie aujourd'hui. Je me suis levé, j'ai pris ma voiture, j'ai été faire du sport. Pendant une heure. Après le sport, je suis revenu à la voiture. Je prends mon vignet, mon portable. Je l'allume et là, je regarde. Je vois un message. Exode 15, verset 26. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu es fidèle à sa voix, et si tu portes tes regards sur ses commandements, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. La première fois de toute ma vie que je reçois un verset dans mon portable. Et tu as reçu ce verset de verset-là. Suite à ma prière, j'ai dit, mais c'est bizarre. Alors, il y avait le numéro affiché, j'appelle. Et là, il y a un homme qui répond. Je lui dis, ah bonjour, excusez-moi, c'est vous qui m'avez envoyé ce message. Et là, le monsieur dit, oui, c'est qui a l'appareil? Je lui dis, c'est Raouma. Et cet homme me répond, ah ben c'est moi, c'est Jeff. Je lui dis, Jeff de l'église de Fatawa? Je lui dis, il me dit, oui, c'est moi. Je lui dis, mais comment ça se fait que tu m'as envoyé ce message aujourd'hui? Il me dit, ben j'étais en train de méditer, je lisais. Et puis là, tout d'un coup, je me suis senti obligé d'envoyer ce message, ce verset à quelqu'un. J'ai pris mon vini. Et lui, ce qu'il fait, il fait dérouler sa liste de contacts au hasard. Il tombe sur un numéro. Premier contact, c'était moi. Il s'est dit, non, pas Roma. Roma, il n'a pas de problème dans sa vie. Il a fait une deuxième fois. Et c'est retombé sur moi. Et là, il a dit, ben... Extraordinaire, hein, Il a appuyé, envoyé, et ce message est arrivé. Et là, je lui ai dit, non, parce que justement, j'avais besoin d'une réponse de Dieu. Et Jeff m'a dit... Cela est ta réponse. Va et ne t'arrête pas. C'est ça qui a déclenché justement ma venue, enfin, ma décision. Qui a confirmé l'appel. L'appel. Voilà mon appel. Super. Merci beaucoup, voilà. Roma, pour ce très beau témoignage. Hein, très beau témoignage qui pense que chacun d'entre vous avait reçu à un moment donné de votre vie cet appel. Et c'est important de marquer le fait qu'être pasteur aujourd'hui, ça commence par un appel de Dieu, puisque c'est Dieu qui appelle les uns et les autres à le servir et à occuper ce rôle en tant que pasteur. La question que j'aimerais vous poser maintenant, donc, vous avez tous été appelés. Vous avez quitté le Fénois, arrivé à Collonges, arrivé en France. Est-ce que Collonges répond justement à vos attentes? Je veux dire, vous avez voulu vous former en théologie. Est-ce que lorsque vous êtes arrivé ici, voilà, c'était sans crainte? Est-ce que vous avez les choses se sont déroulées selon votre imagination ou... Alors moi, j'avais aucune idée de ce que c'est qu'une faculté de théologie. Je ne sais pas si les autres avaient autant, mais moi, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Mais ce que je savais, c'est que j'allais pour me former. Mais qu'est-ce que j'allais avoir comme formation? Alors là, aucune idée. Donc je savais que j'allais avoir des cours, mais des cours d'un niveau quand même assez bien élevé. Et pour moi, encore une fois... Eh bien, c'est dans le sens où je vais découvrir des langues étrangères, telles que le grec, l'hébreu, donc des langues que nous n'avons pas l'habitude de parler en Polynésie, et qui, malgré ça, j'ai quand même pu avoir la découverte de voir que le grec a des termes plus ou moins similaires à notre langue polynésienne. Donc c'est ce qui a un peu facilité aussi l'apprentissage. Mais entre autres, moi, par rapport à cette venue ici à Collonges, je ne m'attendais pas du tout à... Donc ça veut dire, lorsque vous arrivez la première année, on vous dit, voilà les sujets que vous allez devoir créditer cette année. On vous pend au nez le grec, l'hébreu. Est-ce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas commencé à regretter un peu ce choix-là ou vous posez des questions, qu'est-ce que je vais faire à Collonges ou, c'est toujours par la foi. Est-ce que c'est toujours la foi que vous mettez en avant qui permet à ce que vous êtes encore là aujourd'hui, vous résistez à ça et Pour ma part, j'ai un parcours différent parce que je ne suis pas venu pour faire la licence, je suis simplement venu pour faire un master. Et donc, pour répondre à ta question, oui, je m'attendais à ce qui m'attendait. Je n'étais pas surpris parce que quand on arrive au niveau du master, on revient sur un certain nombre de cours de la licence. Toutefois, on va beaucoup plus en profondeur. On se spécialise un peu plus dans certains domaines.
qui sont nécessaires. Parce que bon, le master, c'est un niveau beaucoup plus élevé. Et puis, ça a véritablement répondu à mes attentes. Hein, parce que voilà, j'avais une idée de ce qui m'attendait. Et puis, lorsque j'ai suivi les cours en classe, voilà, ça m'a beaucoup à la fois rassuré et beaucoup enrichi. Et puis, avec l'expérience déjà du terrain que j'avais, c'était comme des puzzles. Et puis, voilà, avec l'expérience du terrain et puis la théorie qui venait beaucoup plus avancée, ben, les puzzles se mettaient en place facilement. Et puis, c'est l'avantage, c'est le léger avantage que j'avais sur mes collègues. Parce que mes collègues, ils ont commencé à la licence, ils n'avaient aucune expérience du terrain. Et c'est le léger avantage exact. Que j'avais. Et puis, voilà, je remercie le Seigneur m'a permis de vivre cette expérience sur le terrain en devenant master. Est-ce que le pasteur Clive, qui s'occupe des églises, quelle église à Montpellier, est différent du pasteur Clive qui était en Polynésie il y a quelques années? Alors, le pasteur Clive s'occupe de l'église de Montpellier. Il y a une seule église à Montpellier. Il y a une seule église à Montpellier qui compte 270 membres, avec un petit groupe attaché à cette église. Est-ce que le pasteur Clive est différent? À la source, il est pareil. Le pasteur Clive, il est pareil. Toutefois, j'ai pris conscience que j'étais en métropole. Je suis un Polynésien en métropole. Et puis, je ne suis pas venu ici pour m'imposer, mais je suis venu ici pour accompagner l'église. Donc, il y a eu une phase d'adaptation. Et puis voilà, c'est le sous-berger qui accompagne, qui prend en compte des talents et des dons spirituels des uns et des autres, avec une vision claire de l'Église, avec une mission précise à accomplir, et on accompagne. Mais c'est vrai que dans mes habitudes, dans mes réflexes, le clave, il est différent. Toutefois, au fond, c'est le même, et c'est là où le combat réside, parce qu'il y a le clave au fond, et puis il y a le clave qui doit agir d'une manière diplomate différente. C'est un défi, mais c'est une belle expérience avec le Seigneur, surtout avec le Seigneur. Les changements, il n'y a pas simplement au niveau du clave, au niveau personnel, mais il y a également le changement de culture, le changement de mentalité. Est-ce que ça a été facile pour toi En tant que pasteur de Montpellier, ça n'a pas été difficile parce que je sortais de Collanges. J'avais déjà passé 4 années à Collanges. Et donc, j'étais engagé au sein de l'église de Collanges, tant au niveau des classes qu'au niveau de l'ancienat. Donc, voilà, j'ai fait l'expérience de l'église en métropole du sud de la France. Et là, il faut préciser du sud de la France parce que la mentalité dans le nord de la France est encore différente. Et donc, quand je suis allé sur le terrain, je savais ce à quoi m'attendre et je savais comment me comporter face à ces attentes-là. Alors, ce qu'on peut dire par rapport à cette différence d'enseignement, cette différence de mentalité, pardon, est-ce qu'au niveau des approches que tu avais à Tahiti, tu as dû renoncer à tout ça pour t'adapter, pour trouver de nouvelles manières de pouvoir approcher les membres, de pouvoir les accompagner? De toutes les approches dont je me suis servi à Tahiti, il y a une approche que j'ai gardée, c'est l'écoute. Et c'est une approche qui m'a beaucoup aidé, voilà, cette oreille d'écoute. Et de toute façon, quand on vient en master ou en licence, on t'initie à ce qu'on appelle l'écoute pastorale. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses dont j'avais l'habitude de mettre en place à Tahiti ou de faire à Tahiti, il ne fallait pas le faire ici. Non. C'était évident. C'était évident qu'il ne fallait pas le faire. Et puis, il y avait un certain nombre de choses qu'il fallait tenir compte. Et je n'ai pas hésité à ne pas le faire. Hein. En tout cas, j'étais bien conscient de ce qui m'attendait. Et je n'étais certainement pas venu ici pour m'imposer. Deux questions naturelles qui me viennent à l'esprit là. Est-ce que tu as bien été accepté, sachant que tu étais polynésien? Est-ce que les membres d'église t'ont réellement adopté au niveau de l'église de Montpellier? Et deuxièmement, quelle est la différence de spiritualité, on va dire, ou entre les membres que tu as connus en Polynésie et en métropole? Est-ce qu'ils ont une autre vision de la spiritualité, une autre vision du christianisme? Alors, c'est vrai que l'église de Montpellier, pendant un certain nombre d'années, a souhaité avoir un pasteur le plus longtemps possible. Et donc, avant mon arrivée, j'ai été présenté déjà à l'église. Donc, le pasteur, mon prédécesseur, m'a présenté. Lorsque je suis arrivé avec mon épouse et mes enfants, nous avons été accueillis comme des rois. Et ça m'a beaucoup touché. Je me disais que, certainement, en Polynésie, c'était une particularité, mais finalement, j'ai trouvé cette même particularité à Montpellier.
J'étais bien accueilli par les membres d'église, mais c'est vrai que j'ai pu observer quand même un œil observateur de leur part, parce qu'ils se disaient comment est-ce que le pasteur polynésien de Tahiti allait orienter les choses. Mais finalement, ils ont vu que je n'étais pas venu pour imposer ou changer tout, mais j'étais venu pour accompagner. Et là, voilà, ils se sont relaxés, le message est passé. Et puis, voilà, j'ai une très bonne équipe d'anciens au conseil d'église, on s'entend très bien, simplement parce que nous connaissons notre mission. Et notre vision, elle est claire. Comment est-ce que l'Église vit sa spiritualité? L'Église en métropole vit sa spiritualité de la même manière qu'en Polynésie. À la base, c'est qui? C'est ma relation personnelle avec Dieu. Là où les choses diffèrent, c'est sur la manière dont je vais le faire. D'accord? Et c'est là où le Polynésien qui débarque ici, il est un peu secoué parce que justement, on ne le vit pas comme on le vit en Polynésie. Exactement. Mais à la base, quand on observe bien les choses, mais c'est Dieu qu'on adore, c'est Dieu qu'on élève, c'est Dieu qu'on aime, c'est Dieu qu'on prie. Et là, j'ai aucun problème. Et puis, on est formé en classe. Donc, quand on va sur le terrain, on sait à quoi s'attendre. Après, ça demande de la patience et ça demande beaucoup d'humilité et de retenue. Donc justement, finalement, c'est une histoire de contexte, puisqu'à Tahiti, le sabbat commence d'un coucher de soleil, se termine à l'autre coucher de soleil. À Collonges, je lui ai dit que c'est la même chose. Bien sûr. Mais la façon de comprendre le sabbat est différente. On revient, on était, on a passé un super après-midi au Salève tout à l'heure, alors qu'à Tahiti, à partir de 16 heures, tu dois être sur les bancs de l'église jusqu'au coucher de soleil. Donc, deux mentalités différentes. Deux mentalités différentes parce que le métropolitain, c'est quand même quelqu'un qui réfléchit. Je ne dis pas que le Polynésien ne réfléchit pas, non. Mais je dirais que le métropolitain, lorsqu'il est exposé à quelque chose, il se pose des questions. Quel sens ça a? Et quel sens ça va donner à ma vie, exact. Surtout à ma vie spirituelle? Le Polynésien, il est respectueux. Ce qui vient de Dieu, on l'accepte et on le vit et on le fait pleinement. Voilà la différence entre les deux. Et c'est comme ça, c'est pas autrement. Et c'est là où je reviens sur une citation d'Ellen White, parce que Ellen White, dans son livre à l'éducation, elle nous encourage non pas à être des réflecteurs, mais des penseurs. D'accord? Bon, la pensée, elle a sa place. Exact. La pensée a sa place, la tradition a sa place, tant que ça n'entre pas en conflit avec la parole de Dieu. Et c'est là où la différence se situe entre notre culture polynésienne et la culture européenne occidentale, voilà, dans la réalité ici. Mais Moré, également, tu as été, tu t'es vite adapté à ces changements au niveau de la France. Tu me disais tout à l'heure que bon, l'image de Collonges a quand même été un peu ternie par les dires. Qu'est-ce que tu as envie de dire à toutes ces personnes qui... Oui, alors je pense que je te remercie pour cette question parce qu'elle aura de l'impact justement sur la manière de pouvoir donner une autre image, une autre manière de vivre pleinement sa foi. C'est vrai qu'en Polynésie, comme disait Pasteur Clive, nous avons une manière de simplement refléter, de vivre sous une réflexion. Alors qu'ici, c'est vrai que l'adaptation avec ce nouvel air, cette nouvelle culture, donc nous permet de voir les choses autrement. Finalement, nous avons un point commun, comme disait Clive également tout à l'heure, c'est sur la manière d'adorer Dieu. C'est comment adorer Dieu dans une culture différente. Et c'est là où c'est intéressant de vivre et de connaître justement tous ces aspects, parce que c'est ce qui va un peu nous aider à vivre notre foi. Alors, par rapport justement à cette vision, à cette image que nous pouvons donner de Collonges, c'est vrai que certains de la Polynésie pensent que Collonges enseigne des choses qui sont pratiquement un peu contraires à la Bible, ou des choses telles que, voilà, Ellen White n'est pas vraiment enseignée, alors que nous avons un centre d'Ellen White à notre faculté. Nous avons également beaucoup de documents d'Ellen White qui vient justement appuyer notre formation, parce que nous ne pouvons pas justement être formés sans avoir justement cet esprit de prophétie également dont notre sœur Ellen White a eu. Donc je pense que c'est aussi un des fondements sur lequel nous devons prendre comme argument de pouvoir justement soutenir l'idée où Collonges a un certain...
niveau de formation assez élevé et complet également. Je ne dis pas que les autres n'ont pas cela. Et notamment, justement, cette année passée, nous avons également mis en place, enfin, la faculté a mis en place un nouveau module qui est l'anglais en théologie. Donc, c'est ce qui nous a encore donné un avantage qui, on va dire, bon, c'était dit, OK, Fidji, Papoua va nous donner une langue supplémentaire, c'est-à-dire l'anglais et tout ça. Mais finalement, vous voyez, tu vois comment Dieu répond c'est, également à ce besoin. C'est même pas c'est une langue supplémentaire, mais quand même, nous sommes dans un contexte anglo-saxon. Oui, en Polynésie française. Nous sommes dirigés par une division, par une union qui est basée en Nouvelle-Zélande, où tout se dit en anglais. En anglais. Alors voilà. Ici, dans le monde francophone, c'est un petit peu moins. Alors aujourd'hui, néanmoins, on a mis en place justement ce module justement pour également aider les élèves étudiants à plonger les regards, mais aussi la connaissance dans tout ce qui est concernant la langue anglaise. Voilà. Pour Blondel également, tu es en deuxième année. En troisième année. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton cursus? Est-ce que ça a été facile, les études? Ce serait un peu prétentieux de dire ça. non, c'était pas du tout facile. Alors, il faut que j'explique un peu la difficulté. Je ne suis pas quelqu'un de littéraire. Mais pourtant, tu es en troisième année. Ouais, voilà. Comment est-ce que tu as fait? Par quel miracle tu es arrivé jusqu'en troisième année à tenir le coup? Je crois que là, à Tahiti, on enseigne beaucoup. Voilà, si tu veux réussir, je parle de l'éducation chrétienne qu'on a reçue. Hein. Si tu veux réussir quelque part dans un examen, tu dois avoir la foi, donc tu dois prier le Seigneur, mais tu dois aussi faire ta part. Et là, j'ai vraiment expérimenté la deuxième partie de ce dicton, hein, qui est de faire du travail personnel et surtout de travailler sur les faiblesses pour transformer en force. Alors ça implique quoi? Ça implique beaucoup de ton temps dans les études, tout à fait. Que père de famille également. Tu as aussi ce devoir de t'occuper de ton petit foyer ici. Oui. Donc, hormis le fait qu'il y a les études déjà en classe, il y a aussi le temps que tu dois prendre pour faire tes lectures et ensuite faire ce qu'on appelle des dissertations, hein, des rédactions. Et ça, ce n'est pas des choses que j'aime beaucoup. Quoi. J'aime pas lire, j'aime pas écrire. Aujourd'hui, mais tu es arrivé à... Tu maîtrises la dissertation maintenant. Maîtriser aussi, c'est encore prétentieux. Au moins, c'est bon, j'arrive à finir un livre. Déjà, ça, c'est déjà bien. Hein. Donc, grâce à Dieu. Par rapport à ça, par rapport à cet entraînement, on va dire, cette éducation que vous recevez ici, lorsque vous vous projetez dans le futur, en étant pasteur, futur pasteur en Polynésie, en quoi est-ce que ce que vous avez appris ici sera bénéfique pour l'Église? Lorsque je regarde pour le moment, enfin là c'est personnel, hein, lorsque je fais le bilan donc, de mes 3 années, pendant les études je ne voyais pas le sens de ce que je faisais. Mais après, lorsqu'on nous mettait sur le terrain, parce que c'est vrai, il y a les études, hein, mais on doit aussi faire des stages pastoral, donc dans des églises ici en métropole. La théorie et la pratique. La théorie et la pratique. Et donc, quand on va sur le terrain, on voit maintenant quel est le bagage que nos professeurs nous apportent. Donc déjà, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est de connaître l'histoire, l'histoire du christianisme et l'histoire des autres religions, pour que je puisse m'adapter à n'importe quel contexte. Et comme l'a dit le pasteur Clive, la deuxième chose qui m'a beaucoup plu dans l'enseignement que j'ai reçu, dans le bagage que j'ai eu, c'est... toutes les questions qui concernent donc la psychologie de l'humain. Donc là, on apprend à écouter les personnes. Et ensuite, on apprend aussi à se découvrir soi-même, à dire que nous avons nos limites, nous avons nos forces, nous avons nos faiblesses, et qu'il faut travailler avec ça. Et ensuite, après, essayer d'apporter des réponses. Et même, pour être honnête, c'est vraiment faire naître dans l'autre personne des réponses, que ça soit lui qui réponde et non pas toi. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié, tu vois, c'est le fait, c'est d'accompagner en fait. Donc s'il y a bien une chose que je peux remercier Collange, c'est sur cette aptitude à pouvoir accompagner les autres. On vous forme réellement à être de bons leaders, quoi, de bons pasteurs. Tout à fait. Et pour moi, le bon leader, c'est celui qui accompagne les gens. Accompagnateur qui rejoint l'idée de pasteur Clive. Quelque chose, c'est que l'on aille à Fulton, que l'on aille en Papouasie ou que l'on aille en Australie, ce que je reçois... Tout est valable pour le terrain. Oui. Quand je viens ici à Collonges,
tout est valable pour le terrain. La différence, c'est que ici, j'apprends des termes en français et qui vont me servir sur le terrain à Tahiti. Quand je rentre de Papouasie, de Fidji, je parle pour moi, on a ce réflexe d'utiliser les termes anglais, qui parfois sont faux, parce que des fois, un terme en anglais peut apporter plusieurs significations. L'avantage ici à Coulonges, c'est que tu apprends tes termes en français, on t'explique le contexte biblique en français, donc tu retiens les mots clés, ensuite on t'expose à des outils dont tu vas utiliser sur le terrain. Tout à fait, tout est acceptable et valable pour Tahiti. Donc le français a son avantage. Hein? Absolument. Une autre question, puisque nous parlons de langue également, vous êtes sur un territoire, vous allez être appelé à parcourir les églises de Polynésie. La plupart des églises des îles parlent que en tahitien. Est-ce que vous, en tant que pasteur, est-ce que est-ce que vous pensez à cela également? Est-ce que vous parlez le tahitien, tout le monde? Quand on se fâche. Quand on se fâche. Alors c'est intéressant ce que tu dis, Ambroise, parce que à mon arrivée avec Jeff également sur la métropole, nous avions eu ce souci avec Jeff, c'est-à-dire de pouvoir mettre en place des petites soirées rien que pour la Polynésie, de pouvoir pratiquer la langue pour ne pas la perdre. En France, hein, c'était à la fois dans une vision de pouvoir justement préparer nos futurs pasteurs en cas de retour en Polynésie dans les églises, notamment dans les îles, de pouvoir justement déjà avoir une petite base. Mais je pense que si nous sommes ici, c'est que voilà, c'est comme disait Claire, c'est vraiment pour apprendre des thèmes approfondis. Bon, c'est vrai que par la suite, lorsque nous serons dans les églises, je pense que Dieu fera l'affaire aussi au niveau de la langue. Je pense que c'est Dieu qui maîtrisera mieux que nous-mêmes. Oui, bien, Romain, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Alors, justement, c'est par rapport à cette question. Moi, personnellement, je suis conscient de ce problème. Personnellement, je suis conscient que je ne maîtrise pas du tout le tahitien. Et je sais qu'en rentrant en Polynésie, je serai peut-être amené dans des îles et même dans certaines églises, lors des écoles du sabbat, des classes uniques, où je devrais peut-être parler en tahitien et même comprendre le tahitien. Et moi, avec c'est un point négatif pour moi, c'est de ne pas pouvoir parler tahitien. Je panique un peu maintenant, vu que j'arrive à la fin de ma formation, de savoir que je vais rentrer à Tahiti, je serai face aux tahitiens, et ça me pose un sacré problème. Donc je me suis dit qu'il faut que cette année, vu que c'est ma dernière année, que je puisse déjà me mettre dans le bain du tahitien. Lire peut-être la Bible en tahitien et voilà, essayer de parler avec les gens en tahitien, avec les tahitiens qui sont sur le campus. Voilà. Et on ne va pas non plus exagérer. Hein. Bon, c'est pas parce que tu ne parles pas le tahitien que tu ne peux pas être un bon pasteur. Oui. Ça non plus, on ne va pas exagérer sur les choses. Mais c'est quand même mieux. Voilà. Mais si on marque la différence du français, désolé de vous dire qu'il faut marquer le tahitien aussi, hein, voilà, oui. Parce qu'on est polynésien à la base et qu'on est appelé à œuvrer en Polynésie, hein, avant tout. Voilà. Après, l'Église est une Église mondiale, ça c'est bien clair. En tout cas, ça a été un plaisir d'avoir échangé avec vous, bien sûr, le temps qui nous a été alloué est de 52 minutes. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés au thème de cette émission. Il nous reste 3 minutes. J'aimerais faire un petit tour de table avec vous, terminer peut-être par une dernière question. Le pasteur Clive œuvre ici. C'est sûr que l'Église de Dieu est une Église mondiale et c'est ça qui fait la beauté, comme le pasteur Clive a dit, où on peut servir Dieu partout dans le monde. Mais ce n'est pas ce que je souhaite, en tout cas pour vous quatre, puisque nous sommes en manque de pasteurs en Polynésie. Je sais que c'est aussi le souhait de la mission, que vous reveniez œuvrer en Polynésie française. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ces membres d'Église qui regardent cette émission concernant votre engagement dans l'œuvre de Dieu en Polynésie française, Blondel? Et puis on va finir avec Romain avant de rendre l'antenne. En ce qui me concerne, c'est comme je l'ai fait avant de partir, hein, avec mon épouse, hein, j'aimerais vraiment parler en notre nom, hein, parce que je ne prends pas tout seul les décisions. On préfère remettre notre futur dans les mains du Seigneur. Est-ce que tu es en train de me dire que si le Seigneur m'appelle à œuvrer ailleurs, ça y est, ben, le Seigneur a décidé pour moi
Ensuite, après, j'ai mon choix personnel à faire. Mon souhait, si tu veux qu'on soit honnête, hein, mon souhait, c'est vraiment de retourner sur le Finnois. Amen. Mais ensuite, après... Et on laisse Dieu faire les choses. On voit là où l'appel est lancé, hein, là où il y a le plus besoin. La question est, est-ce que notre Finnois, même si elle est en manque de pasteur, est-ce qu'elle a encore besoin peut-être d'ouvrier? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais bon, en ce qui nous concerne, on laisse Dieu faire les choses. Pour avoir interviewé notre président Roger il y a 2 semaines de cela, oui, la réponse est oui, nous sommes en manque de pasteurs. Merci Blondel. Notre frère Mémoré. Oui, c'est vrai. Donc par rapport à ça, je suis conscient de ce manque d'ouvriers dans l'œuvre en Polynésie. Donc pour ma part, comme je l'avais dit dès le départ, là où Dieu m'amènera, je suivrai. Amen. Voilà, donc cette venue en France, c'était une démarche de la foi. Donc, nous sommes passés par une expérience où, même sur le plan financier, on n'a pratiquement même pas eu besoin de sortir de notre poche. C'est que Dieu a placé des personnes sur notre chemin, Amen. Des églises même sur notre chemin, pour pouvoir justement subvenir à ce projet dont Dieu est l'initiateur. Amen. Et je pense que la question qu'il faudrait se poser concernant le retour de Jésus, parce que c'est là que nous devons fixer nos regards quotidiennement, est-ce qu'il nous faut attendre réellement des pasteurs pour revenir en Polynésie, œuvrer pour qu'une église soit prête pour le retour de Jésus. Mais en ce qui concerne le retour au Finnois, c'est plus qu'un désir de pouvoir venir servir la Polynésie. Merci beaucoup, Mémoré, pour ces éléments de réponse. Alors, pour ma part, j'aimerais terminer avec 2 choses. La première, c'est vraiment de faire appel à la compréhension de nos membres de l'Église en Polynésie, parce qu'il y a beaucoup de membres, quand ils accueillent les nouveaux de leur formation, ils s'attendent à ce que les nouveaux soient capables de résoudre tous les problèmes et de répondre à toutes les questions d'ordre théologique. Or, quand on vient en formation, on est exposé à un contexte biblique, on nous apprend ce qu'il représente, on nous présente des outils, on nous apprend à utiliser des outils, et ces outils-là, on va les mettre en œuvre pour le reste de notre ministère. Donc, c'est vrai, on débarque avec un bagage, mais l'apprentissage se poursuit. Et c'est dans notre ministère qu'on acquiert beaucoup davantage de connaissances, surtout sur le texte biblique. Et donc, c'est vraiment de faire appel à nos membres d'Église, d'être compréhensibles de ce côté-là. On ne connaît pas tout. La deuxième chose, je suis conscient du manque de pasteurs à Tahiti. Même quand j'étais à Tahiti, on manquait de pasteurs, non seulement à Tahiti, mais en Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Zélande, en Australie, et quand on pose la question, on va au-delà, dans le monde entier, il en manque des pasteurs. Exact. Tout à fait. Mais vous savez, le Seigneur permet aussi de nous rêver, nous permet aussi de rêver. Et donc, dans ce ministère-là, il y a eu une opportunité, j'ai rêvé, le Seigneur, j'ai fait un choix, le Seigneur a respecté mon choix, et puis... Il t'a placé ailleurs. Sans que j'ai... Comment dire? J'ai jamais imaginé un jour me retrouver en métropole. Voilà. Et donc, je sers le Seigneur ici en métropole, et on ne sait pas ce qui va se passer d'ici quelques temps. En tout cas, ce rêve, je l'ai eu, je le réalise... Et puis, tu le vis pleinement. Et je le vis pleinement et je me laisse guider par le Seigneur. Et puis, on continue à prier également pour l'œuvre en Polynésie. Amen. Amen. Merci, Pasteur Clive. Romain, un dernier mot. Alors, pour ma part, oui, tout à fait, comme les autres, je suis conscient aussi de ce manque de pasteur en Polynésie. Alors, vu que j'arrive, je suis à ma dernière année d'études de théologie, je me remets entièrement entre les mains du Seigneur. Amen. Depuis que j'ai commencé ma première année ici, il y a 4 ans de cela, j'ai appris une chose, c'est de faire confiance à Dieu. J'ai traversé, il y a eu des moments de joie, des moments de bonheur, mais il y a eu aussi des moments très difficiles, des moments d'épreuves. Et dans tout ça, ce que je peux retirer, c'est j'ai confiance en Dieu. Amen. J'ai appris à avoir confiance en Dieu. Et donc, vu que j'arrive à la fin... Comme l'apôtre Jean dit au début de l'Apocalypse, Jean, serviteur de Jésus-Christ, je me dis, Romain, serviteur de Jésus-Christ, donc en tant que serviteur, j'irai là où il me dira d'aller. Si je dois retourner en Polynésie, c'est avec plaisir que je retourne en Polynésie. Voilà.
Merci beaucoup, Romain, pour ce mot de la fin. Merci à tous d'avoir répondu à ces quelques questions qui ont permis, à mon avis, à beaucoup de Polynésiens qui regardent actuellement cette émission, de comprendre le parcours de ces braves garçons qui ont dû tout quitter pour suivre des études ici en France, s'éloigner du Fénois. Et puis, parcourir encore, faire leur cheminement avec Dieu dans les études ici en métropole, avec toutes les contraintes également hein, de ce que cela implique. En tout cas, j'espère que cette émission va également donner du zèle à d'autres jeunes qui voudront faire comme eux, avoir confiance en Dieu, non pas simplement en Polynésie, comme le pasteur Clave a bien fait comprendre. Merci en tout cas d'avoir donné la possibilité aux Polynésiens, l'opportunité à tous les Polynésiens ce soir de pouvoir avoir de vos nouvelles. Voilà, donc en vous souhaitant bon vent, en vous souhaitant bon courage dans vos études. Voilà. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt.